Donc la culture, évidemment, occupe une place très importante dans la politique du mécénat en France et à l'international. Et cette culture permet justement de dialoguer dans une société, dans un monde où il est de plus en plus difficile peut-être de le faire. Et on voit que la culture, que ce soit la musique, la littérature, les arts appliqués, etc., eh bien, crée un véritable dialogue. Monsieur Berger, merci infiniment d'être avec nous. C'est un honneur. Alors, évidemment, je crois que ce n'est pas abusé de dire que le mécénat, c'est votre vie. On va appuyer sur le bouton vert. Voilà, merci beaucoup. Le mécénat, c'est votre vie. On voit depuis ce matin les exemples multiples que revêt le mécénat dans notre vie quotidienne. Est-ce que, Pierre Berger, la société, on a la réponse, mais j'aimerais bien avoir votre vision du mécénat aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, sans le mécénat? Écoutez, j'ai bien entendu votre question, j'ai bien compris le sujet de notre réunion, mais je vais peut-être un peu vous choquer, mais je tiens à faire cette précision. Allez-y. À moins que je me trompe, ce mot vient de mécène. À moins que je me trompe, mécène n'a jamais vendu de cravate, ni de parfum, ni rien d'autre. Il s'est contenté de soutenir des artistes et Horace. Alors, j'ai rien contre ça, mais je voudrais qu'on fasse un peu de sémantique. Ce qu'on appelle mécénat, et c'est un peu l'objet de votre table ronde, puisque vous mélangez mécénat et entreprise, moi, je ne l'appelle pas comme ça. Je l'appelle sponsoring. La différence entre un mécène et un sponsor, c'est qu'un mécène, il aime l'art qu'il soutient. Il aime les artistes qu'il soutient. Et le sponsor réfléchit aux effets induits qu'il va en tirer et à ce que ça va lui rapporter. C'est essentiel de dire ça. Et j'espère que vous le comprenez. Mais je veux dire quelque chose pour qu'on ne me réponde pas uniquement cela. Mais bien, il faut le prendre comme ça. Alors maintenant, un sponsor, je vais pousser, qui n'aimerait pas l'art, qui n'aimerait pas l'artiste, mais qu'il soutiendrait pour des raisons commerciales, c'est dommage, mais tant mieux. Au moins, il permet à l'art d'exister et à une œuvre d'art d'exister. Pourquoi j'ai tenu à faire cette différence, marquer cette différence dès le début? Parce que je trouve que tout est respectable, et je viens de le dire, tant mieux si une grande marque de ceci ou de cela, de luxe souvent, soutient la création d'une œuvre d'art. Tant mieux. Mais les mécènes, pour aimer l'art, ils n'ont pas besoin de ça. Le mécène ne s'achète pas de passeport culturel. Le mécène considère que s'il a la chance de disposer de moyens, s'il a cette chance dans la vie, c'est la chose la plus naturelle du monde, que la culture fait partie de notre vie. La culture n'est pas une chose qu'il faut obligatoirement adopter comme on se lave les dents deux fois par jour. C'est pas ça. La culture vous permet de vivre. Ça, c'est comme ça que doit être un mécène. Mais maintenant, j'accepte toutes les contributions, d'où qu'elles viennent, lorsque moi, aujourd'hui, je ne vends plus rien. Mais quand j'étais, et dans mon métier, je n'ai jamais eu besoin de cela non plus, mais quand j'étais président des opéras de Paris, et notamment quand j'ai permis à l'opéra Bastille de sortir d'un trou et devenir un opéra, eh bien, qui que ce soit qui me donnait de l'argent, j'étais bien content, et je ne lui demandais pas s'il aimait la musique. Le vivre ensemble.
Vous nous avez rassuré quand même sur, sur l'essentiel, mais le thème donc de cette table ronde, effectivement, alors mécénat, la culture du vivre ensemble, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette culture du vivre ensemble? C'est un engagement, donc un engagement réciproque entre plusieurs partenaires, une simple philanthropie, un humanisme, le vivre ensemble grâce à la culture. Comment la culture peut permettre justement ce vivre ensemble? Merci. Bien sûr, c'est une des choses formidables de la culture. La culture, c'est merveilleux. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas s'en passer. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui a permis, sans distinction de classe, de sexe et de quoi que ce soit d'autre, et de race, qui a permis aux enfants, tous les enfants, de faire des études primaires et d'apprendre la culture. Nous avons la chance d'être dans un pays qui subventionne les musées, les opéras et tout un tas de choses. Donc nous avons la chance de disposer de la culture qui nous permet de vivre ensemble. Et ça, c'est la culture, ça n'a pas de frontières. La culture, prenez le cas de Céline, je prends ça au hasard. Céline était un antisémite, mais c'est un des plus grands écrivains français du XXe siècle. Je veux dire par là que la création culturelle est plus forte que tout. La fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent est une passerelle. Justement, vous parliez de l'apport du public, des structures publiques, vous-même, stature, je dirais, adossée, privée, etc. Quelle est la complémentarité? Comment travaillez-vous en complémentarité avec le public dans, justement, ce fonctionnement de la culture, enfin, du financement de la culture pour la faire rayonner? Écoutez... Vous êtes complémentaire, finalement. Nous sommes complémentaires. Lorsque Yves Saint-Laurent a cessé en 2002 de travailler, enfin de continuer son métier, nous avons transformé cette maison en fondation reconnue d'utilité publique. Et moi, j'ai voulu tout de suite que ce lieu s'ouvre à d'autres cultures. Pour moi, il était très important que nous ne soyons pas uniquement une maison de couture, uniquement une maison de luxe, parce que j'en connais les limites. C'est comme ça que j'ai fait des expositions importantes avec des grands artistes, que ce soit Bob Wilson, que ce soit David Hockney, que ce soit, j'en oublie, des meilleurs. Et j'ai voulu attirer le public qui est venu, nombreux, pour leur montrer ce que souvent d'autres musées ne font pas. Je ne leur reproche pas de ne pas le faire, parce que ça n'attirerait pas assez de gens, parce que moi j'avais un petit outil très à ma main, et j'ai donc fait ça pendant des années et des années. Aujourd'hui, c'est autre chose parce que j'ai décidé qu'on allait se replier sur nos fondamentaux et donc je vais tout simplement transformer ça en musée Yves Saint-Laurent. D'accord. La situation, le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, au niveau international, mais a fortiori en France, est-ce que vous estimez, vous, grand mécène, encore possible le vivre ensemble dans cette société? Oui. Même si on ne fait pas toujours ce qu'il faut. Vous savez, moi j'étais triste en 2000, je ne sais même plus quelle année, en 2012, j'ai été triste qu'un président de gauche rogne, ne sanctifie pas le... sanctuarise pas le budget de la culture. Je rappelle qu'en 81,
Qu'est-ce qu'a fait François Mitterrand? Il l'a doublé. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ça, là, on s'adresse à... Nous sommes aussi dans un pays compliqué pour ça. Parce qu'il est compliqué, il a beaucoup d'avantages, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il est compliqué parce que tout dépend de l'État. Mais le mécénat peut prendre le relais, vous le prouvez d'ailleurs. Mais il ne faut pas compter non plus uniquement sur le mécénat. Ça, si vous comptez uniquement sur le mécénat, vous permettez à l'État de se laver les mains. Vous savez, dans une autre de mes activités qui me tient très à cœur, qui est le SIDA, puisque je suis président de SIDAction, que j'ai créé avec Lynn Renault en 1994, nous avons toujours fait très attention, parce que l'État n'attend que ça, que nous ne le remplacions pas. L'État doit être mis devant ses responsabilités et il faut l'y obliger. Mais si on parle de culture, pourquoi c'est compliqué aussi? Parce que, bon, tout le monde connaît Jacques Lang, tout le monde en connaît les mérites, je précise que c'est un ami très proche et personnel. Donc, ce n'est pas diminuer ses mérites que de dire ce que je vais dire. Une des réussites, la réussite de Jacques Lang, l'immense réussite de Jacques Lang, il l'a due au fait qu'il faisait un couple avec le président de la République. Mais quand vous avez un président de la République qui croit que Madame de Lafayette, ça n'est pas important, il ne faut pas espérer que le ministre de la Culture va suivre. Donc le président est loin d'être un mécène. Merci Pierre Berger. Vous restez avec nous, bien sûr. Vous restez avec nous et je vous demanderai d'intervenir. N'hésitez pas à réagir aux différents propos. Alors, Claire Gibault, dans la droite ligne d'ailleurs de ce que vient d'expliquer M. Berger, vous avez créé le Paris Mozart Orchestra. Votre mission aujourd'hui, en deux mots, quelle est-elle? D'abord, une mission pédagogique, sociale, humanitaire, et puis une mission artistique aussi très intense. Comment travaillez-vous exactement? Donc c'est une structure, vous allez dans association. Une association loi 1901. Oui, absolument. Vous vivez grâce aux mécènes. Oui, et absolument. Quoique, au bout de 5 ans d'existence, nous venons d'être lauréat de la France s'engage, donc Fondation Totale, mais aussi plan d'investissement pour la jeunesse du gouvernement. Donc ça, c'est un grand encouragement, parce qu'avoir créé un orchestre il y a 5 ans, dans une pleine crise de désengagement culturel... C'était pas le moment idéal, effectivement. Oui, mais bon, nous avons eu des mécènes extraordinaires. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ayant travaillé dans des grandes institutions culturelles, comme les musiciens qui me suivent, si vous saviez comme c'est bien de travailler avec des mécènes qui vous suivent, qui vous encouragent, et surtout à l'innovation. Parce qu'avec les ministères, on n'entre jamais dans les dispositifs existants, on ne peut pas innover. Et là, grâce à, par exemple à la Fondation Carasso, à la Fondation ADP, on nous encourage justement à travailler pour se vivre ensemble, à inventer des choses sur le plan pédagogique, dans nos relations avec les établissements scolaires. Les mécènes viennent à nos concerts, à nos répétitions, et on fait le point ensemble. Il y a des réunions presque familiales. Et quelque chose qui est très intéressant, parce qu'il y a une telle concurrence entre nous, artistes, en ce moment, parce que beaucoup d'orchestres indépendants perdent des subventions d'État ou des mécènes qui sont obligés de se désengager quand ils ont eu un engagement triannuel. Et bien, ces mécènes, et je me souviens de réunions à la Fondation Carasso, avec tous les ensembles qu'ils soutiennent, et on a appris à être bien là aussi ensemble et à ne pas être concurrents, et au contraire à faire des projets communs et à se soutenir, ce qui est assez difficile dans cette période de société. Donc, nous... Mais le constat que faisait Pierre Berger, c'est le vôtre, en fait. Vous êtes d'accord sur le déficit du public dans la sphère publique, dans le financement de la culture aujourd'hui. Oui. Et heureusement, les mécènes sont là. C'est clairement ce que vous dites, finalement. Oui, et on a plus de liberté. Par exemple, avec mes musiciens, on s'assoit sur les conventions collectives. On invente d'autres. On n'a pas cette lourdeur. Et puis, on ne rentre pas dans les dispositifs de l'éducation nationale, mais on invente d'autres façons. Et je peux pouvoir vous dire que le rectorat de Créteil et de Versailles, ils nous adorent, les professeurs aussi.
Mais l'administration qui est derrière les politiques évolue beaucoup plus lentement et ne répond pas tout de suite aux demandes des politiques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le ministre qui donne l'impulsion et son administration ne suit pas. Et vous vous retrouvez à ce niveau-là en disant, moi j'ai l'idée, mais je n'ai pas les moyens. Absolument. On a été très encouragés par le ministère de l'Éducation nationale. On a fait 3 fois des demandes de subvention. On est cité comme exemple de transmission avec des méthodes tout à fait innovantes. Et on n'a toujours pas de subvention. On fait la politique d'éducation artistique du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture. Paraît-il, c'est leur idéal, sans un sou de ces deux ministères. Heureusement, maintenant, le gouvernement s'est engagé à côté de nous, avec la France s'engage. C'est quand même un grand paradoxe dans la société dans laquelle nous vivons. Oui, bon, je dis qu'il faut conquérir les choses, il faut faire ses preuves aussi. Mon orchestre est jeune, il a 5 ans seulement. Mais ce que je voulais vous transmettre, c'est qu'on a fait des choix pédagogiques très spéciaux pour aller à la rencontre des jeunes, des établissements de banlieue. Et ça, les rencontres sont extraordinaires. Et tout ce qu'à travers la musique, on peut déclencher de questions. Alors, on a choisi un genre très spécial, le mélologue, c'est-à-dire qu'il donne autant de place à la littérature qu'à la musique. Et ça permet d'investir plein de disciplines, donc c'est interdisciplinaire, mais ça permet aussi d'engager des discussions. Et par exemple, j'avais envie de vous raconter que quand on a joué ce mélologue, soudain dans la forêt profonde, une très belle fable de Amos Oz, avec la musique de Fabio Vacchi, musique contemporaine, exigeante, au lycée Sugère de Saint-Denis, déjà, pour faire accepter Amos Oz au lycée Sugère, c'était des grandes négociations. Donc vous imaginez pourquoi. Il a fallu leur expliquer que cet écrivain israélien était pour la paix maintenant et qu'il était pour la création d'un État palestinien. Et on arrive à faire de la musique. Et ce qui était extraordinaire, moi je leur faisais entendre comment une musique contemporaine pouvait créer des climats, des couleurs, des lumières, des atmosphères, du suspense, etc. Mais quand Amos Oz est venu avec moi au lycée, il y avait un amphithéâtre avec 250 étudiants qui attendaient Amos Oz comme ça, un peu agressif, et il les a mis dans sa poche immédiatement, c'est-à-dire que le premier a dit une question un peu bête, « Alors, comment vous avez commencé à écrire, à quel âge et pourquoi ?» Et là, il a dit « Quand j'avais 11 ans, j'étais petit, maigre et moche, je ne plaisais pas aux filles, et la seule façon de les emballer, c'était d'écrire des histoires et de les raconter. » À partir du moment où il a détendu l'atmosphère, il s'est mis à parler de ce qui était le sujet de son œuvre, c'est-à-dire la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et mes musiciens, avant de faire partie de mon orchestre, ils ont signé une charte des droits, et nous luttons contre toutes les formes de discrimination, c'est ce qui nous unit. Donc, il leur a expliqué comment on pouvait se faire souffrir les uns les autres au sein d'un établissement scolaire, parce qu'il était roux, l'autre parce qu'il était juif, l'autre parce qu'il était noir, l'autre parce qu'il était musulman. Il leur a expliqué et il a eu un triomphe. Et je pense que ce degré d'intimité, de sincérité qu'on crée avec les élèves qu'on rencontre est fondamental aussi pour les mettre dans un climat d'écoute et de regard des arts. Et c'est comme ça, je pense, travailler ou vivre ensemble. Et à chaque fois, vous savez, quand je fais un peu de provocation, quand je vais parler à Aubervilliers, pardon, j'étais allée avec un extrait de film où je dirigeais un orchestre européen avec un chœur de 200 jeunes chanteurs venus de toute l'Europe. Et je savais la provocation que ça pouvait être pour eux. Mais je voulais que les questions sortent et qu'ils réagissent. Et depuis janvier 2015, et au novembre dernier, ça sort achetant tous les établissements, on en a 18. Madame, pourquoi est-ce que les enfants qui chantent sont tous blonds aux yeux bleus? Alors je dis, j'attendais, votre question est légitime, je suis là pour parler de vous, si je suis là, c'est que j'ai envie que ça change, et on va travailler ensemble, qu'est-ce que c'est une discrimination socioculturelle? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore vous n'êtes pas entré dans le monde de cette musique classique, contemporaine, de la littérature?
nature. Et tout ça, voilà comment, avec mon orchestre, je travaille au Vivre Ensemble. Est-ce que vous partagez cette expérience avec les mécènes? Est-ce qu'ils vous en sont reconnaissants? Est-ce qu'ils sont conscients de ce travail? Ben, ils m'accompagnent. On part en voiture ensemble et ils sont sur place. Et puis, de toute façon, ils me demandent des mesures d'impact pédagogique, des mesures retour sur investissement. Non. Il faut faire des vrais bilans, des bilans très sérieux. Et c'est très difficile, les dossiers de demande de mécénat. Il faut être très calé. Et tous les 6 mois, on étudie ensemble. Mais ce que je trouve extraordinaire de la part des mécènes qui me suivent, c'est qu'ils me poussent dans mes ambitions, sans arrêt. Et ça, je pense que ça vaut... Je ne l'aurais jamais trouvé à la DRAC d'Île-de-France, par exemple. Voilà, c'est envoyé. C'est en direct. Merci, Claire Gibault. Anaïs Lançon, alors, le vivre ensemble, la RATP, c'est de quoi elle parle. Chaque jour, des millions de voyageurs se croisent sans se parler. Ce monde est quand même, on va dire, assez hostile, même si vous faites des efforts au quotidien pour améliorer les situations. Le stress l'emporte généralement. Comment on crée le vivre ensemble dans une entreprise comme la vôtre? Le vivre ensemble versus culturel, entre autres, parce qu'il n'y a pas que cela, bien sûr. Quelle est votre politique en la matière? Et l'exemple de la RATP est vraiment significatif et très intéressant sur ce point. Il est significatif et je m'inscris vraiment dans le propos d'introduction de M. Berger, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une différence qui est plus que sémantique entre mécène et sponsoring. Pour autant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau? RATP, c'est une entreprise publique de service public, donc voilà, avec des budgets qui, en termes de communication ou de partenariat, peuvent être limités. Et pour autant, avec une conscience morale très forte et l'idée de se dire, on a une communauté de voyageurs avec qui on a envie de créer du vivre ensemble. Et donc très tôt, la RATP a développé une politique culturelle, et c'est pas propre à tous les réseaux. C'est pas du tout, par exemple, à Londres, il y a l'idée que quand vous êtes dans un transport, vous ne vous parlez pas, vous restez dans votre bulle, et il y a comme ça un espèce de traverser sans regarder l'autre. Les transports parisiens, on essaie de rompre ça et d'offrir des moments d'échange, de lien, voire même de participation culturelle. Donc je vous donne un exemple. Oui, des exemples concrets. Voilà, on s'est attelé à des sujets qui ne sont pas forcément les plus simples. On est très engagé sur la poésie. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, finalement, à part si vous aimez vous-même la poésie, que vous faites la démarche d'en lire, finalement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez rencontrer la poésie comme ça et puis vous y intéresser, ne serait-ce qu'un instant. Donc on a en affichage dans les rames et dans les stations chaque année des grands poèmes. Et puis on fait aussi participer nos voyageurs, et ça a un énorme succès, puisqu'on a chaque année un concours de poésie, et là, on a reçu, par exemple, pour cette année, plus de 8000 poèmes. Alors, il y a de tout dedans, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un intérêt et toujours cette envie de vivre ensemble. On fait pareil pour les musiciens du métro. Vous savez, on accrédite 300 musiciens du métro qui viennent jouer dans le métro, et pour certains, c'est vraiment un tremplin dans une carrière. Mais au-delà de ça, parce que là, c'est les événements culturels qu'on offre nous-mêmes, on est évidemment aussi un soutien aux institutions culturelles elles-mêmes, puisqu'on sait très bien que dans ce monde impitoyable, il faut beaucoup de communication aussi pour se faire connaître et pour se faire voir. Mais ça, c'est du mécénat, concrètement ? Alors ça, c'est pas forcément du mécénat, mais en fait, on donne de l'espace. Et ça, c'est en termes de valorisation, ça représente par exemple 2 millions d'euros par an. L'espace publicitaire, vous voulez dire ? De l'espace publicitaire, absolument, où là-dessus, c'est pas un apport en cash, je dirais, mais on sait très bien que c'est indispensable quand vous avez une expo ou voilà, pour faire en sorte que vous gagnez de la notoriété et du passage. Donc ça, on le fait beaucoup. On a nous-mêmes aussi, on fait intervenir des artistes sur notre réseau, puisque, enfin, pour vous donner une idée quand même, on fait 12 millions de voyages par jour.
Donc c'est énorme, et vous avez l'occasion sur le réseau de rencontrer toutes sortes de gens, et cette rencontre, notamment pour un artiste, elle peut être très intéressante. Donc on a fait intervenir des très grands artistes pour des œuvres pérennes ou parfois juste pour de façon momentanée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on développe beaucoup et auquel on tient beaucoup. Vous êtes des passeurs, vous vous considérez plus comme des passeurs, comme des financeurs, comme des acteurs ? Je pense que on est à la fois des passeurs parce qu'on fait en sorte que donner accès d'une certaine façon à la culture en donnant une information sur tout ce qui se passe et en donnant envie. Mais on est aussi, j'allais dire des créateurs, mais ça serait vraiment prétentieux. Non, je ne peux pas dire ça, mais en tout cas, on propose nous-mêmes une programmation qui permet de maintenir dans la vie du quotidien la culture, parce que c'est ce que vous disiez, M. Berger, ça fait partie de nos vies, mais oui, enfin, il faut quand même, malgré tout, ça demande un tout petit effort. Alors, est-ce que vous considérez quand même à part entière comme un mécène, finalement, sur certaines actions ? Parce qu'il y a la fondation en tant que telle. Il y a la fondation, et la fondation... Le rôle de la fondation RATP, sous votre responsabilité, hein, je précise bien. Non, c'est la fondation, en fait, l'idée, c'est de recréer du lien avec les territoires, et notamment, et on en est très fiers pour le coup, c'est-à-dire de casser peut-être des freins que certaines personnes pourraient avoir à aller tout simplement dans un musée. Et donc on est notamment en partenariat avec le Louvre, et on fait venir plus de 3000 personnes chaque année visiter le Louvre pour simplement dire ça existe, c'est possible, et montrer tout l'intérêt que ça a. Donc un mécène finalement, mais pas le mécène. On est mécène, on fait du partenariat, on fait du sponsoring, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on considère que ça fait partie de notre rôle, qu'on a un rôle à jouer là-dedans, qu'on n'est pas uniquement des transporteurs à partir du moment où il y a autant de personnes qui passent autant de temps sur le réseau, autant que ça serve à quelque chose aussi au-delà du transport lui-même, quoi. Pierre Berger, vous souhaitiez réagir ? J'ai écouté avec attention. Une question que j'aurais vous poser. Tout cela, vous le faites avec vos fonds propres ? Absolument. Eh bien, vous êtes des mécènes. Oui, nous sommes des mécènes, sauf que ça peut être de l'échange marchandise. Mais, donc, c'est pareil. Oui. Vous êtes des mécènes. Allez, oui. Vous ne vendez pas des sacs à main à côté ? Non, pas du tout. Bon. Alors, je trouve formidable ce que vous faites. Eh bien voilà, vous avez un nouveau statut à la RATP. Validé par Pierre Berger. Les prochaines initiatives, vous pouvez nous donner un petit peu le programme. Alors les prochaines initiatives, on est très branché photo aussi à la RATP. D'abord parce que parfois on aime bien reprendre tous nos droits sur la publicité dans une station et puis faire une expo à part entière. L'année prochaine, on fêtera les 70 ans de Magnum sur notre réseau. On fait aussi participer nos voyageurs parce que beaucoup s'intéressent à la photographie. On a lancé un concours de photos l'année dernière sur Instagram avec Jean-Pierre Jeunet en parrain. Et vous voyez, en l'espace de quelques semaines, on a reçu 16 000 photos. Donc, et après, on les a affichés en 4x3 dans le métro. Et on soutient aussi la jeune photographie en étant partenaire du festival Circulation avec le 104, où là aussi, on prend 40 jeunes photographes à qui on donne une exposition en 4x3 pour 12 millions de voyageurs. C'est du mécénat, finalement. Pierre Berger a tout à fait raison. Voilà, faut pas rougir face aux mots. Quoi. Comment ? Il ne faut pas rougir face aux mots. Vous êtes mécène à part entière. Non, on est... Oui, bien sûr, on est mécène. Après, c'est vrai que nous, on n'en parle pas forcément comme ça, mais bien sûr qu'on est, en tout cas, de ce point de vue, un soutien... à la culture au sens large et pas à toutes les initiatives. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut travailler avec un très grand artiste. On a, par exemple, le kiosque des Noctambules de Jean-Michel Letoniel, bon, qui est une vraie œuvre en soi et qui lui permet d'exister. Et on peut aussi avoir des artistes moins connus qu'on va soutenir à travers une certaine forme de publicité, on va dire, sur ce qu'ils font. Merci beaucoup, Anaïs Lançon, pour ce témoignage. Donc, directrice de la communication de la RATP, est responsable de la politique culturelle du groupe. Je vous rappelle le hashtag donc Mécène Forum, Mécène au pluriel, pour poser vos questions.
Donc quelques questions sont visiblement là actuellement, il n'y a pas, mais n'hésitez pas à les formuler, et à chaque fin de table ronde, nous essaierons d'en sélectionner quelques-unes. Alors Philippe Journeau, président de la compagnie de Fasbourg, la compagnie est un des acteurs majeurs du marché de l'immobilier commercial en France. L'entreprise est très engagée sur les thématiques de la culture et du vivre ensemble. C'est finalement assez éloigné de votre cœur de métier. Pourquoi avoir fait ce choix ? Bonjour. Non, ce n'est pas éloigné, puisqu'en fait, nous fabriquons des centres commerciaux dans lesquels nous investissons et que nous gérons. Donc, nous sommes au contact des populations tout le temps. Et nous sommes au contact également des populations les plus défavorisées, puisque beaucoup de nos centres commerciaux sont en périphérie des grandes villes, donc dans les endroits où, justement, la culture n'arrivait pas. Nous avons installé les premiers magasins de culture dans les périphéries, parce qu'il y a 15 ans, les gens vous disaient « Mais la culture, ce n'est pas possible que ça aille dans une zone commerciale. Il faut que ça reste dans le centre-ville, comme si les gens qui habitent dans les banlieues étaient trop bêtes pour avoir accès à la culture et à des magasins de culture. » Et en fait, ça a forgé notre conscience à la compagnie de Fasbourg, et on a toujours été convaincus de trois choses. La première, c'est que si le sport rassemble, sponsoring, la culture, ça élève, et de donner, ça rend meilleur. Et la conjonction des trois a, en fait, créé notre doctrine, entre guillemets, si on peut appeler ça une doctrine, qu'on a résumée dans un petit fascicule qu'on a écrit il y a 10 ans, et qui avait au départ un objectif qui était de dire que lorsque tu ne rentrais pas dans ces 5 cases, eh bien, on ne pouvait pas t'aider. Et en fait, on s'est aperçu que ça nous avait permis d'être très très clair sur ce que l'on voulait faire, quel type d'institution culturelle on voulait aider. Par exemple... C'est un cahier des charges, quoi, finalement. Oui, mais c'est simplement pour dire qu'on ne peut pas aider la Terre entière, on n'avait pas des moyens infinis, et qu'on avait choisi, et que là où on aidait, c'est justement parce qu'on avait fait des choix. Et la culture était un choix fort, parce qu'on pense qu'une société... Une des forces de la France, et peut-être une des dernières grandes forces de la France, c'est sa culture. Et effectivement, je rejoins M. Berger, l'âge d'or de la culture ces 40 dernières années, c'est effectivement ce couple François Mitterrand-Jacques Lang. Et c'est vrai que si on parle d'opéra, Nicolas Sarkozy n'y est jamais allé. François Hollande est allé une fois à une soirée de gala. Et Jacques Chirac n'y est pas allé, bien que Mme Chirac y soit allée souvent. Et donc, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a une espèce de distanciation entre les institutions culturelles, la culture, et en particulier des maisons un peu élitistes, entre guillemets, et la présidence de la République. Pourtant, l'opéra, je pense que ça a été créé sous votre présidence, il y a des choses extraordinaires. 10 mois d'école et d'opéra, c'est quelque chose que nous soutenons. C'est un instrument extraordinaire pour faire entrer la culture dans les banlieues, de faire aider les gens. Votre conception du mécénat, c'est uniquement de la philanthropie ? Écoutez, à la base, oui. Et il se trouve que lorsque nous avons offert à l'État la rénovation des façades de l'école des Beaux-Arts, parce qu'on trouvait que c'était vraiment dégueulasse, à un moment donné, on m'a demandé « Mais pourquoi vous êtes là ?» Je lui ai dit « Écoutez, je passe tous les matins devant pour aller à mon bureau. » Je trouve ça vraiment ignoble. Enfin, je trouve ça scandaleux qu'on fasse payer à cette école mai 68 et depuis aussi longtemps. Et donc, on va vous payer la restauration des façades de l'école sur le quai Malaquais. Et on m'a dit, mais vous voulez quoi en contrepartie ? Je lui ai dit, rien, on veut rien. Et ensuite, un fonctionnaire du ministère de la Culture m'a dit, vous savez, il y a un truc super, il y a une nouvelle loi. Maintenant, on peut mettre des bâches qui aident au financement des rénovations. Je lui ai dit, écoutez, c'est super, mais vous n'avez pas besoin, puisque, en fait, nous payons la rénovation. Et il me dit, non, mais on va faire mieux, on va demander de la publicité à des entreprises, et puis comme ça, ça va aider à financer les surcoûts de travaux. Je lui ai dit, mais vous moquez de moi ou quoi ? Je ne vais quand même pas payer pour qu'un autre type mette son nom sur la bâche. Enfin, je veux bien être mécène, mais je ne suis pas non plus débile. Et donc, c'est une espèce de rapport particulier qui font qu'on voit le mécène comme soit effectivement quelqu'un qui veut cacher, des malheurs qu'il aurait fait à la société. Moi, j'ai eu le droit à des messages du genre « Vous avez vraiment beaucoup à vous faire pardonner pour faire autant de mécénat », ce qui est quand même terrible, vraiment, on va te raconter n'importe quoi et tu vas gober n'importe quoi. Les mécènes sont des gens intelligents qui, généralement, ont plutôt réussi dans la vie et qui veulent faire quelque chose de bien pendant leur vie.
en aidant la société française là où ils ont des points d'acquaintance. Ça peut être la culture, ça peut être la cause qui est au coin de la rue, ça peut être d'aider des enfants qui meurent de faim à l'autre bout du monde. Et effectivement, nous considérons que dès qu'on donne, on est globalement meilleur. Et plus on donne, et plus de gens donnent, et plus ça forme une société meilleure. Il y a 10 ans, j'ai fait un bide absolu. J'avais proposé à des ministres, mais j'ai renoncé, de défiscaliser les 500 premiers euros d'impôts pour tout ce qui était mécénat. On m'a dit, mais vous n'y pensez pas, l'État est ruiné, déjà. Ensuite, je suis descendu d'un niveau, j'ai dit, écoutez, 100 euros, après tout, c'est pas beaucoup, 100 euros, c'est le premier 100 euros, ça ne va pas faire énorme dans le trou de du budget. On m'a dit, non, mais n'y pensez pas, c'est débile. Nous, on pense que si les gens commencent à réfléchir à ce qu'ils vont donner, eh ben, ils sont meilleurs en début d'année que si simplement ils n'y pensent pas. En France, il y a 7% des couples, des foyers fiscaux qui donnent. Aux États-Unis, il y a 50%. Ce n'est pas parce que les Américains sont meilleurs que les Français. Les Français sont plus cultivés, sont plus portés sur la culture, etc. etc. Il y a juste des systèmes et il y a juste des discours qui poussent plus les gens à donner. Alors, nous avons gagné un des concours de Réinventer Paris avec un projet complètement fou, puisque nous avons proposé à la ville de Paris, ici, dans cet arrondissement, de créer à la rue de la Bûcherie un lieu qui s'appelle le Philanthrolab et qui veut être le premier incubateur de philanthropie. Parce qu'on s'est aperçu que, et c'est ça un petit peu l'évolution de notre façon de penser, après avoir donné, après avoir aidé, on se dit ben, finalement on va former les gens, comme le fait l'amical, mais en créant un lieu, si vous voulez, sur lequel des porteurs de projets, des mécènes vont se rencontrer dans un lieu physique pour faire des pitchs, pour se présenter, pour lever de l'argent, pour échanger, etc., etc. Parce que les deux éléments qui font que le mécénat se développe, c'est bien sûr l'argent, on en a beaucoup parlé, mais c'est les gens, c'est le bénévolat, il ne faut pas l'oublier, et c'est peut-être même ce qui est plus important. Et c'est ce qui fait aussi une société meilleure. Je pense que le mécénat, le seul message, c'est ça fait une société meilleure. Tout ce qu'on peut faire pour développer le mécénat, tout ce qu'on peut faire pour pousser les gens à être plus ouverts vers leurs voisins, vers des causes qu'ils apprécient, eh bien, même en les aidant fiscalement, eh bien, c'est bien pour la société française. Tout le monde peut le faire, ça, vraiment. On se prend trop la tête aujourd'hui, finalement. Alors, nous, on a un exemple. Dans nos centres commerciaux, j'ai 2 exemples. Le premier, c'est que, comme tout le monde, on a mis des ruches sur nos toits et on a eu l'idée de former les enfants qui font la récolte du miel et on leur a dit, vous allez vendre le miel. Donc, c'est terrible parce que des gens nous ont dit, vous allez leur faire faire du commerce. Ben oui, effectivement, on va leur faire faire du commerce, mais on va leur dire ensuite, dites-nous à quelle cause vous voulez qu'on donne. Choisissez une association, votre classe choisit une association, vote. Et puis nous, on va doubler ou tripler la mise. Bien, chaque année, il y a 5 classes à Angers, 4 à Metz, 3 à Tours, qui votent des gosses pour quelle association, quelle association ils vont aider. Deuxième exemple, on fait des vide-greniers, on loue les espaces et on demande aux gens, choisissez vos associations localement. Eh bien, il y a eu 60 000 votes, dans une ville comme Metz l'année dernière, pour savoir à qui on allait donner, faire ses dons. Donc ça intéresse les gens. Et pour être mécène, il ne faut pas être milliardaire. Avec 10 euros, on peut être mécène. Eh bien voilà, message. Merci infiniment, Philippe Journeau, président de la compagnie de Phalsbourg. Pierre Berger, un mot de conclusion par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Finalement, le mécénat a beaucoup évolué ces dernières années. Et les différents témoignages viennent de le prouver. J'ai écouté les deux derniers, vous d'abord avant, mais les deux derniers témoignages avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais revenir sur le dernier, remettre des choses un peu en place. Vous avez comparé ce que font les Français, ce que font les Américains, et vous avez cité des pourcentages de gens qui donnent et de gens qui ne donnent pas. Vous avez oublié de dire qu'il y a en Amérique, l'État a introduit ce qu'on appelle les taxes deductibles. C'est-à-dire que quand des gens riches et moins riches, mais les moins riches, c'est moins intéressant puisqu'ils payent moins d'impôts, mais quand les gens riches donnent
ce que vous voulez, 100 000 dollars, disons 10 000, ils déduisent à proportion de leurs impôts, ce qui est considérable, et ce qui n'existe pas ici. Ici, malheureusement, et j'en ai fait l'expérience, ayant été président d'un établissement public, il y a même sous un président de gauche et qui aimait la culture, mais je suis désolé de vous le dire, qui n'aimait pas l'opéra, lui non plus, ce qui fait que ce n'est pas très important. Je n'ai pas osé dire qu'il n'y était allé également qu'une fois. Il est allé exactement deux fois, mais chaque fois l'entracte. Donc ça fait une fois en tout. Et mais il a voulu l'opéra. Bien sûr. Comprenez la différence, pas faire politique du tout, mais simplement sur le plan culturel, la différence entre François Mitterrand, c'est que pour lui, la culture, c'était consubstantiel. Voilà. C'était pas un truc qu'il fallait vendre et qui permettait d'obtenir quelques voix ou pas. Je comprends d'ailleurs qu'on n'aime pas la culture. Je comprends Chirac, quand il a été élu la première fois, il a dit qu'il n'aimait que les musiques militaires. C'est son droit. Mais c'est son droit, mais on ne sait pas à qui on parle de culture, là. Pourquoi vous dites ça? Oui, parce que la France a deux discours, même sous François Mitterrand. La France a deux discours, c'est très rare qu'elle n'en ait qu'un. C'est le discours du ministre de la Culture et de l'Éducation nationale, du Premier ministre et du Président de la République dans le meilleur des cas. Ça, c'est un discours. Et il y a un autre discours qui se tient à Bercy. Et ça, moi, j'ai eu, avec prudence, j'ai osé dire, François Mitterrand, vous savez, Monsieur le Président, vous n'êtes peut-être pas l'homme le plus puissant de France. Quoi ? Je crains qu'un petit fonctionnaire à Bercy soit plus puissant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est pour ça. Et moi, c'est Mitterrand qui l'a voulu. Pris la direction de sortir cet opéra, et j'ai voulu en faire un opéra populaire. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans la presse? Opéra populaire, ça voulait dire qu'on allait jouer Carmen tous les jours. On a joué Saint-François d'Assise, de Messiaen, devant 2700 personnes. 2700 personnes. Au premier entracte, j'en perdais 500. Au deuxième entracte, j'en perdais 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2000 personnes assistaient à un des opéras contemporains d'Olivier Messiaen qui n'avait pas été joué. Arrêtons de dire des blagues. Les gens sont prêts, c'est vous qui en avez parlé, les gens sont prêts à connaître, les gens sont prêts à découvrir, les gens sont prêts à aimer, surtout. Mais il faut savoir le faire. Alors, cet opéra, moi, je voulais des places beaucoup moins chères. Beaucoup moins chères. J'ai une ambition quand même que j'ai réalisée. D'abord, j'ai descendu les horaires. 7h30. J'ai voulu désacraliser l'opéra. Moi, je connais tous les opéras du monde. J'ai passé ma vie dans les opéras. Alors, j'adore l'opéra, mais peu importe. J'ai voulu désacraliser l'opéra. J'ai voulu que les gens puissent sortir du métro et venir à l'opéra. Mais ça n'a pas pu être possible. Ça n'a pas été possible. Si, ça a été possible. C'est la chose que j'ai réussi. Ils sortent du métro, ils sont en jean et ils viennent à l'opéra. Et quand je vois ça, je suis très content. On a aboli cette classe sociale ridicule qui voulait qu'on soit habillé pour aller à l'opéra. Mais malheureusement, j'ai voulu une catégorie de places très bon marché, ça, j'y suis pas arrivé. Il y a des places bon marché, mais pas aussi bon marché que j'aurais voulu. Merci beaucoup, Pierre Berger, pour votre témoignage. Merci à tous les quatre, Philippe Journeau, Claire Gibault, Anaïs Lançon.